Bonjour, bonjour à tous, c'est sur le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 3 pour la suite de cette conquête incroyable. Il nous reste plus grand chose, quelques petits territoires en Sibérie, hein, on va dire globalement, et puis le reste du nord-est de l'Inde, on va dire aussi très globalement. Ça sent bon. Nous sommes en live Twitch, bonjour à tout le monde. On va continuer de conquérir, et je pense que ça va y aller avec des guerres, hein. Guerre intense. Sachant qu'on est en 1383, que le jeu se termine en 1453, chute de Constantinople. Donc, on a le temps. clairement. Je suis marié. Je suis marié avec Kaba, qui a 9 ans. Donc on est dans une difficulté parce que pas d'héritier. Tu peux pas être héritier, toi? Je peux pas te nommer héritière? Désigner un héritier. Ah ouais, c'est pas mal ça en vrai. Bâtard, certes, né hors mariage avec Luma. Elle est bossue, certes, mais au moins c'est pas... Remarquez, ma sœur, elle est pas dégueu. Hein. Ma sœur est génie magnifique et Amazon. Hein. Donc c'est pas non plus la pire héritière de l'histoire. Non, on va rester sur ça. Du coup... Ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des vassaux, on est à 60 sur 60. Je pense que de toute façon, on n'a plus besoin de créer de royaume. Je pense qu'on a tous les royaumes qu'il nous faut. Et que le reste des conquêtes sera donné au roi déjà existant. Roi, reine. Duchesse, duc. Hein, déjà existant. Je pense qu'on est bien. On pourrait encore en plus supprimer quelques royaumes, notamment Venise. Notamment... des Walid, je sais pas quoi, là, qui est ici. On pourrait supprimer encore quelques royaumes. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la Sibérie. On va attaquer par ici, sachant que je ne suis plus avec son prédécesseur, donc je ne peux plus vassaliser de force. Donc on va être limité avec les couronnes et la piété. Sachant que la piété, j'ai déjà fait ma guerre sainte pour un royaume. Ah non, ah si, ah ouais, attendez. Parce que je l'avais fait, mais on s'est tapé une croisade. On s'est tapé une croisade. Et là, on était clairement déçus. Oh, ça nous l'a vraiment annulé. Oh, quelle bande de chacals. Non, c'est bien joué. J'aurais dû faire attention. Johnny, merci beaucoup. Bienvenue. Et Walken Shadowgear, pardon. Ah, bah, j'ai inversé les deux. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Du coup, on a perdu notre guerre sainte pour un royaume. Parce qu'on a fait une guerre, au final, croisade, et que la madame, elle s'est dit, oh, tiens, je vais aller dans la croisade. Alors que de base, elle n'y était pas. Donc, légère déception. Bon, on attaque. C'est parti, c'est la guerre. Pour un comté, pas besoin de plus. En avant. Pardon, tu vois. Et toi, du coup, c'est un peu galère. À moins que... Yaaah, le Hongrie, mais pourquoi faire? À qui ça appartient tout ça? Elle est trop bien cette musique en vrai. Ah, franchement, elle est bien hein. Salut Lord Diamant. Bonjour, tu joues à CK2 monnaie. Non, je joue plus à CK2. Je pense que je vais filer ça à la Mongolie. Qui est en galère. Je pense que je vais filer tout ça à la Mongolie. Non, pardon. Je vais filer tout ça à la Mongolie.
Et on a la Hongrie qui peut venir récupérer les territoires ici. J'avoue, je suis légèrement surpris. J'ai pas envie de créer un nouveau royaume, en fait. Hein. Donc, on va filer ça autant que possible. Et après, on verra. On a la Poméramie qui s'est installée ici. Bien joué de la part des Poméramiens, bien évidemment. Ici. Il récupère le Khanat. Ce qui serait bien, à la limite, c'est de filer à un gars qui n'est pas catholique. Ah, ils le sont tous, hein. Ah, bah attends, mais si je fais ça... Ah non, je l'ai pas, forcément. Ah, j'en prends deux, quand même. J'en prends deux, derrière. Sans parler du duché de Jure. Et si je fais une guerre sainte pour un duché et que je sélectionne celui-ci... Non, celui-ci. Ya. En deux guerres, je le finis, eux. En deux guerres, je le finis. Ok, je vais faire ça. Ça évite de récupérer le royaume pour un gars, quoi. Déclarer la guerre. Ah non, c'est pas... Non, mais c'était pas une croisade. C'est pas une guerre sainte. Alors, on est parti. Hop. 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 Elles sont quand même vachement cool, les musiques. Hein. Ah, si, si. Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais... c'est trop bien. Mon cher roi de Kouman. J'agrandis ton territoire. Attends, c'est du CK3 là, le jeu est sorti. Ah bah oui. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, Woken Shadow. Tu as raté la sortie de CK3. Oui, c'est bel et bien Crusader Kings 3. Disponible sur le Game Pass. Et sinon, bah, l'achat forcément sur Steam. Ah pardon, je suis en vitesse ralentie. Il y a des modes. Je sais pas, moi je suis sur le... Bah oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais moi je suis sur le Game Pass. Donc il n'y a pas de mode sur le Game Pass. Je l'ai pas payé le jeu pour l'instant. Mais je pense qu'il va être acheté sur le Game Pass. Enfin sur Steam. Pour les modes, justement. Je pense qu'il sera acheté. Attendez, pep, on a raté quelque chose là. Hein. Enfin, on a oublié un truc. Hein. On est un empereur guerrier, nous. Hein. Nous, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Alors attends. Déjà, bombarde. Hop. Ici. Le reste va là. Et ici, le commandant, ce sera qui? Ce sera Roy, évidemment. Ah. Commandant, ce sera Roy. Quitte à mourir sur le champ de bataille. Oh, Philippe l'imprudent. Qui est plus costaud que moi. Espèce de chacal. Je suis à 33 en prouesse, de toute façon. Je me retrouve en 1 contre 1000. Je les élimine tous, là. C'est quoi les modes? Bah, il me semble que quelqu'un m'a dit la semaine, enfin la fois dernière, je sais plus quand est-ce que c'était, qu'il y avait un mode qui permettait de démarrer à partir de l'Égypte antique, moins 400 je crois. Donc en vrai ça c'est fou, et ça me tente un peu trop malheureusement. Donc je vais certainement acheter le jeu. Je vais certainement acheter le jeu sur Steam. Non parce que le mode me plaît quoi. Et les modes, de toute façon... Le Game Pass, il n'y a pas de mode, on est d'accord. Je crois pas. Hein. Je me souviens d'une partie modée sur CK2 avec le mode Lord of the Ring. Le Hobbit, roi du monde, que de souvenirs. Ah ouais, non mais trop bien. Trop bien. Ok, ça c'est fait. Alors, on récupère ceci. Merci, bonsoir. Ainsi soit-il. Et on file ceci. Ah, oh, Kimek. Bon, on peut filer à Kimek, hein. Pourquoi on filerait pas à Kimek? Parce qu'on va filer... on va filer à Kimek. Parce que sinon, ça disperse les territoires. Et, de toute façon, ils sont déjà là, donc... Ah, pardon. Tiens. Cadeau, mon grand. Cadeau, mon grand. Toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, et derrière ici. Vous pouvez débloquer un mode de vie en martial. Galant, bah parfait. Ce qui nous donne une petite galanterie de la part de notre personnage, un plus 4 en prouesse, plus 2 en martialité. Pff, quel homme, quel homme.
Mais derrière, on va partir sur stratège. On veut être un chef de guerre digne de ce nom. Évidemment. D'ailleurs, est-ce que je pourrais changer ma tête? Ça me plairait de changer ma tête. Enfin, en tout cas, mon style. Épinglé. Au niveau de la barbe, là, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme barbe? Eh! Petite barbe pointue, là. Yeah. Après, il est pas mal comme ça, hein. Barbe pointue ondulée. Longue barbe raide. Roi de France à la barbe fleurie. Bon, après, il y a trop de barbe, quoi. Mais il est pas mal comme ça, en vrai. Hein. Moi, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Hein. Ma barbe, elle pousse, mais j'en suis pas à ce niveau-là. Hein. Non, il est pas mal comme ça, j'aime bien en vrai. J'aime bien en vrai. Vas-y, il reste. Il reste? Non, ça me va. Ok. 660 soldats. On va ça, là, il était blessé. Ah oh, bah, c'est pas grave, ça. C'est moi ici, là? Ah, oh, c'est pas moi. Moi, je suis là. Ah bah, c'est 100%. Bon, bah, écoute, va là-bas. Pourquoi tu veux pas y aller? Vous allez creuser un tunnel là ou Comment ça se fait que je vois plus où ils vont? Appuyez les demandes. Tac. Merci pour ce duché, mon ami. Roi de Kimé. Hein? Ah oui, non, j'ai une légère crainte. Cher roi de Kimek, permets-moi de te filer ce duché. Ah, attends, je vais le créer si ça t'embête pas. Parce que moi, ça me fait de la couronne et on aime bien les couronnes. Hop, hop. Accorder le titre. Hop, hop, hop. Parfait. Ta-ta ! Ah bah non. Et puis, bah nous, on va se TP, hein. On va se TP parce que sinon, c'est un peu long. Pour arriver dans les autres zones. On va se mettre ici. 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 Oui, je vais l'acheter, le pack, Lily. Lily, va, pardon. Je me suis pillé un poil loin. Non? Ah! On lève l'armée. On stoppe la levée d'armée. Stop la levée. Stop la levée. Viens là. Stop la levée. Stop la levée. Et le commandant. Ce ne sera personne d'autre que moi, 42 de prouesse. Le fait d'être devenu galant, apparemment. Un 42 de commandement, pardon. Nous a augmenté notre martialité et notre prouesse. C'est pas un cumul des deux? Ah non, pas du tout. Je comprends pas le commandement. On va pas prendre un 33, on a un 42 ici. En avant là, hein. L'armée qui était ici là. C'est bien, elle est partie. Le roi Rimbaud est mort, Arthur. Attention. C'est moi le commandant de l'armée. L'empereur. L'empereur. Attaque cette armée adversaire. Adverse, pardon. Pff, quelle domination. On a perdu 19 hommes. On a perdu 19 hommes. Bien joué. Qu'est-ce qu'on a ici? On peut demander de l'or, on n'a pas envie. Faut envoyer un enfant à l'université, on n'a pas envie. Ça c'est une victoire, puis les demandes, merci, bonsoir. Hop. Ainsi soit-il. Et on file ça à Kimek également du coup. Merci beaucoup mon ami. Je t'ai agrandi ton territoire, j'espère que tu es heureux. Car de mon côté, je ne peux pas faire plus que ça. Hein. Enfin si, je suis l'empereur du monde. Je pourrais forcément faire plus. Mais j'ai pas envie de faire plus que ça. Levez l'armée. Hop, on stoppe. Hop, on stoppe. Et on y va. Parfait. Là, le siège se fait. On est pas mal, hein. Bon, en vrai, on a peut-être fini avant 1390, hein, j'ai l'impression. Non, 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 non. Parce qu'il y a traité de paix après. Donc on pourra pas de toute façon tout récupérer. Il y a rien, c'est vrai, c'est vrai.
La conquête du monde va se faire, mais il faudra prendre le temps, il perdra des terres. Ouais, mais il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier, on va accélérer simplement. L'idylle, la déclaration d'amour. Alors que je pousse dans les draps, je pousse les draps pour m'allonger, je trouve un petit rouleau posé sur mon traversin. Quelqu'un est entré dans mes appartements sans se faire remarquer. J'ai un frisson alors que je déroule soigneusement l'épée parchemin. Mon parangon brave, seigneur de mon cœur, je ne peux plus taire mes sentiments. À partir de ce jour, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous prouver la sincérité de mon affection. Nous reverrons bientôt. En attendant, rêvez de moi, mon amour. Éternellement vôtre, Antoinette. Antoinette. Alors, Antoinette. Antoinette. Je sais pas ce qui t'arrive. Mais c'est un non merci, quoi. Relancez cette folie immédiatement. Moi, j'ai une petite gêne qui m'attend. À 9 ans. J'en ai 33. Écoutez, différence d'âge, c'était pas choquant. Hein, un trentenaire marié avec une fille de moins de 10 ans, à l'époque, c'est pas choquant. Laissez-moi me marier avec cette fille. C'est gentil, mais non merci, quoi. Au détestable empereur. Attendez, j'ai fait 2 victoires. Alors, ici, on va filer ça à notre cher roi de Transoxiane. Charlemagne, cadeau. Attends, mais je suis pas en pause. Alors que nous marchons dans la cité, un criminel enchaîné au pilori capte l'attention de Kaba, ma future femme. Hein. Ma future femme. Kaba a levé la tête et fait semblant d'ignorer la demande d'eau du criminel. C'est bien, rappelez-lui sa place. Écoute, mon grand, si tu voulais boire, fallait pas être criminel. Hein. Compatissant. On va lui monter ses stats. 100 cœurs. Intrigue, c'est pas mal ça. Hein. Un peu devenir intrigue. Hein. Nous protéger, opinion envers les vassaux. Attendez, je regarde. Parce que c'est pas un personnage qu'on va jouer de toute façon. Donc c'est plus les stats qu'elle va apporter qui sont intéressants. Deux. Elle est à 8 en intendance. On pourrait rééquilibrer l'ensemble en montant l'intendance. Par contre, on baisse la diplomatie, quoi. Ah non, c'est maître espion, pardon. Ah, c'est intrigue ou diplomatie. On peut pas monter l'intendance, quoi. Donc soit on reste comme ça. Ouais, on va rester comme ça. Garde le trait arrogant. Oh, mais ça donne que du prestige, c'est nul, en vrai. Je vais la mettre en diplomatie. Compatissant, plus 2 en diplomatie. Opinion pour le trait sans cœur et sadique, moins 15. Ah, merde. Alors, attends. Tu vas devenir sans cœur. Oh, ça m'a mis un coup de stress, quoi. Ah bon? On va filer ça. Ça, est-ce qu'on peut faire le duché? Il existe déjà. Ah voilà, tout va bien. On va garder les titres. Ah, la transoxiale. Parfait, parfait. Et puis ici, du coup, vous êtes parti par là. Et vous, il va falloir se disperser. Il va falloir se disperser et je pense que vous allez commencer à attaquer par là. La capitale. Quand tu vas faire un let's play U4 c'est pas prévu là tout de suite. Mais il y en a déjà 3 sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà 3 sur ma chaîne YouTube. Si jamais tu ne les as pas vus. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Avec la qualité d'armée supérieure. Je pense qu'on peut y aller là. On rentre dedans. Allez. L'aventure est bientôt finie, bah indirectement. Ah mince, j'ai oublié de m'occuper de mon stress. J'ai l'impression ces derniers temps d'être constamment distrait par des pensées lascives. En raison de toutes les difficultés de la vie quotidienne, il est très facile de me perdre dans mes rêveries et d'oublier la réalité. Ces désirs interfèrent clairement dans ma vie, mais que dois-je faire à leur sujet? Un passage au lapunar me soulagera. Vous tenez le trait débauché. Ah. Une chèvre? C'est quoi le lapunar? Tiens, ignorance. Je prends mon mal aux patiences. C'est quoi le lapunar? Exécuté. On élimine nos rivaux. Les rivaux, c'est la vie dans le jeu, quand même. Les rivaux, c'est la vie dans le jeu, quand même.
C'est fou ça. J'ai un médecin? J'ai pas de médecin. Ok. Pourquoi ne pas essayer un royaume d'Afrique la prochaine fois sur CK3? Bah je sais pas, on verra, on va en discuter. On va en discuter. Vous êtes connu pour votre dévouement pour la foi. Ah bon? Ce monde est plein de dangers, même pour un empereur et sa cour. Alors qu'est-ce qu'on a? Béranger, Béranger qui a 66 balais, bah Béranger c'est un nom merci. Et toi t'es personne non plus, aucun des deux ne m'a rien impressionné. Les chefs c'est sympa mais on les aime pas. Victoire ici la bataille là? Ah oh, bien joué ça, bien joué l'armée. Boum, on va faire le siège sur la capitale. On fait 630. 650 c'est ici. On a perdu 36, bien joué. Goujob, goujob. Du coup, au niveau de ma cour, est-ce qu'on a un médecin? On peut pas avoir... on peut pas faire un tri dans les médecins? Non, ça c'est chasseur, ça c'est quoi? C'est festoyeur. C'est quoi ça? Marchand convenable. Sinon, je pense que j'ai trié simplement... Et si, c'est quoi ça? Aspirant des maîtres là. Ah bien! Médecin réputé, Tiburge. Ah mais Tiburge, t'as 50 balais. Hein. Mais c'est Tiburge, médecin réputé. Nommé médecin de la cour. Hop. Bienvenue, Tiburge. Bienvenue. La Pounard et une maison close. Ah ok, merci pour l'info. Merci pour l'info. J'avoue que la tête de bouc m'a plus inquiété qu'autre chose. Hein. Ok, appuyez les demandes, ça c'est fait, ainsi soit-il. On va filer ça à Charlemagne. Derrière, il se débrouille avec ses titres. C'est pas mon problème. J'ai l'impression qu'ils ont quand même corrigé le problème de territoire surligné. C'est un bordel, ah oui, d'accord. J'avais pas vu, pardon. Merci pour l'info. Bon. Ici, on prend la capitale, donc ça devrait être pas mal. Et là, on est à moins 71. Comté occupé, c'est fait déjà. Papa, papa. Viens prendre ça. Ici, la victoire est faite. Appuyez les demandes. Tac! Oui, bien sûr. Charlemagne, je t'accorde ce territoire. Et la Sibérie est unie. Tout non, pas encore, parce qu'il en reste encore ça. Mais en tout cas, on commence à être pas mal. Attrape-le, comme ça on fait un 100% là. Une visite inattendue. Étant décidé à passer une soirée reposante, je me dirige vers les appartements de mon ami Onfroy. Avec un peu de vin épicé et un tableau de Pachissi. Je pousse sa porte sans frapper. Il est assis à son bureau en train d'écrire avec empressement. Tandis que je me racle la gorge, il sursaute. Il met rapidement un rouleau de parchemin dans sa poche et se tourne vers moi. L'air inquiet. Que cachez-vous, monsieur? Je respecte sa vie privée. Non, mais à chaque fois qu'on a eu ça, c'était un cadeau. Enfin, c'était une surprise. Ah, on est en train de préparer un petit truc. Je respecte ta vie privée. Salut Macbeth, on est toujours sur la partie domination du monde, on va finir. Un geste de reconnaissance. Oh oui, ça nous déstresse. Je sais que j'ai dernièrement agi de manière étrange et je m'en excuse. Ceci étant, j'avais une bonne raison, dit le roi Onfray, avec un sourire espiègle. Il me fait signe de le suivre et me conduit dans la cour. Le roi Onfray est assis sur son cheval et habillé pour le voyage. J'ai organisé un petit voyage pour vous deux. Dit Onfroy avec enthousiasme. J'ai pensé que vous pourriez passer du bon temps ensemble. Ah bah, enfin, on part à deux? Non, parce que c'est le roi Onfroy qui dit « J'ai organisé un truc pour vous deux » et c'est le roi Onfroy qui m'attend. Donc, on part à deux? Une petite balade. Avec notre ami. Écoutez, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai enlevé mon armée là? Je me rappelle plus. Ouais, je l'ai enlevé. Ok. J'ai hâte de voir en vrai ce que ça va faire quand on aura le monde entier. Je sais pas s'il y a un événement, mais je pense pas d'ailleurs. Vous avez conquis le monde. Non, ça se trouve, il y aura rien du tout. C'est pas dégueu, hein. Je suis assez satisfait. Le comte a été excommunié. Alors, ici on arrive, on en finit avec, cette guerre. Alors, il nous restera un duché à prendre ici. Et on va se tourner vers l'Inde, tout simplement. Et normalement, on aura quasiment tout conquis.
Alors pas tout, parce que bon, on peut pas, on va pas pouvoir les prendre d'un coup. Hein. Mais ça va être pas mal, quoi. Oh, les sièges sont tellement rapides en plus. Mes bombardes font une différence monstrueuse. 2 semaines pour assiéger, ça fait plaisir. Appuyez les demandes. Perfecto, perfecto. Et c'est la Mongolie qui a tout pris. Excellent. Moi, c'était involontaire, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On disperse les troupes, et toi, je reviens dès que j'en ai la possibilité. J'ai pas envie de faire ça. Je reviens dès que j'ai traité de paix avec toi. Direction l'Inde. Alors, en Inde, il nous faut... pareil, multiplier les guerres pour récupérer les territoires au maximum. Vas-y, vas-y. Alors ici, il va falloir faire sur un duché, à moins qu'on ait... Ouais, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ok. On va partir sur ça. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Contre Galdin. Vas-y, c'est à côté, donc... Prends donc, mon ami. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. On prend. Toi, je t'ai pas attaqué, Lyon. Tu croyais que je t'avais pas vu, peut-être? Hein? Hein? Et croyez qu'il allait s'en sortir comme ça? Ah non, toi, faut que je te libère. Oh, écoutez, hein, on n'est pas à ça près. Hein. Oh! Très bien, ça! Qui es-tu? Ah, oh, bah vas-y, hein. Oh, c'est un gain de temps monstrueux, ça. Bon. Ah, par contre, ça, c'est catholique. Hein. Parce que du coup, on l'a posé... on l'a posé... de force. Royaume du Bengale. C'est tellement un gain de temps, vas-y, j'y vais. De toute façon, là, on a quoi en vassaux, là? On est à 58, ça va. Entre la carte des religions. Sur YouTube, j'en suis allé au 33, autant de dire que ça a un peu changé. Ah oui. Ah ouais, 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 effectivement. Que te reste-t-il à conquérir? Bah, plus. Bah, ça, en fait. Hein. C'est sûr, si vous n'êtes pas à jour, bah, vous faites spoil. Hein. On a conquis le monde, hein, tout simplement. Hein. La carte des religions. On est en train de l'imposer tranquillou, mais bon, ce sera pas partout du catholicisme. Hein. Ce sera pas partout du catholicisme. La culture, on s'en est pas occupé. Et l'Empire de Jure, bon, on est en train de l'agrandir, mais on s'y est pris beaucoup trop tard, au final, quoi. Largement trop tard. Comme tout, en fait, hein. J'aurais tellement pu conquérir le monde bien plus vite. Mais bon. On apprenait à jouer. Toi, je t'ai attaqué? Je crois que je t'ai attaqué. Bon, on va commencer par des guerres au sud. On va commencer par des guerres au sud. Je vais faire une chose simple. C'est envoyer... une petite armée au nord. Et le... Non. Je sais pas ce que je vais faire. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Tac. 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 Ah. Alors, attendez. Je sais ce que je fais. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je sais ce que je vais faire. Parce qu'au final, c'est bien... On est dans une situation où...
Hop. Toi, tu vas rester là. Et on va aller attaquer là-bas. Alors, c'est un peu loin, mais c'est pas grave. Vous, vous allez attaquer par ici. Non. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. La musique est forte. La musique est forte? Après, c'est pendant qu'il y a des guerres, quoi. Quand il y a des guerres, c'est sûr que c'est très bruyant, quoi. Oula, mais il y a du monde, dis donc, hein. On va peut-être aller filer un coup de main avec ça. C'est peut-être inattendu. Attendez. Mais... Je vais pas y aller, quoi. Je pense qu'on va enchaîner avec tout, en fait. On va attaquer les 5600 hommes qui sont ici. Bonjour Kalou. Dispute au camp. Tenir un discours sur... Alors, un peu après l'installation du campement par mes hommes, j'entends de l'agitation venant des quartiers de mes chevaliers. Je vois le roi de Norvège et le roi de Kaboulistan engagés dans une violente querelle au milieu d'autres soldats. Les fouetter pour leur délit. C'est bien ça. Hein. Tenir un discours, c'est bien aussi ça. 100 points en mode vie martiale. Ouais. Je me lève et leur rappelle que nous nous battons tous pour le pays et que nous devons rester unis. Sans quoi, de nombreux étrangers profiteraient de nos querelles intestines pour envahir nos terres. Comment? Qui ça? Non mais je te pose des questions. On va se faire attaquer par des poissons rouges, c'est ça? Non mais est-ce qu'à part les océans, on a tout conquis bientôt là. Hein. Donc, aucune crainte. Le roi embarrassé s'excuse et s'installe pour la nuit. Voilà, très bien, on prend un 100 points de diplomatie. Enfin, de martial. Qui fait plaisir. Qui c'est qui est parti là? Ok, c'est ça. Oh, je suis parti en infériorité numérique au final. Ah, je suis en poste, voilà. Et bien évidemment, la puissance de l'armée est suffisante. Faudrait pas qu'on se blesse non plus, quand même. Votre gloire est bien connue. Ça y est, nous sommes une légende vivante et une icône religieuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Toi, j'ai pas envie que ce soit... Alors, attendez. J'ai envie de mener l'armée de soldats d'élite, quoi. Hein, j'ai envie de mener l'armée de soldats d'élite. Donc, toi, ce sera mené par moi. Hop, parfait. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y en a assez pour faire la diff. Et à la limite, je vais envoyer eux en soutien. Ok. Pendant que eux viennent ici, parce qu'au final, on manque d'hommes pour le siège. Parfait. Vous pouvez débloquer un mode de vie en martial. Excellent. On va partir ici. Hein. Coup des Cassius Belli moins 50%, ça ne nous sert pas à grand chose, mais bon, ce sera fait quoi. On a perdu. Ah non. J'allais dire, on a perdu une guerre. Non, c'est l'atout qui a lagué. L'atout qui lag. Réunis les deux armées là. T'es sérieux? Laisse-moi au commandement. S'il te plaît. Au niveau des batailles, enfin des guerres à côté, il faut faire attention quand même que les scores de guerre ne montent pas trop vite pour eux. J'ai amené Kabajo avec un arc et à ma grande surprise, elle est tombée sur une biche blessée. Elle n'a pas hésité un instant à l'abattre. Bien joué, ça. Ambitieux. Boum. Bien joué, Sakaba. Ma future femme. Qui est en train... Je pense que je vais lever un peu d'armée, là. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes. Et ce serait dommage de se retrouver en infériorité numérique bêtement. Donc on va lever une bonne armée, là. On va lever une bonne armée. Tac, c'est bon. Pause. On regroupe. On l'arrête. On l'arrête. On l'arrête. Et eux, ils vont chasser.
Ils vont chasser. C'est qu'avec des levées, il n'y a pas d'armée d'élite. Enfin, de soldats d'élite. Mais c'est pas gênant. Ici, c'est un 100%. Vous s'empare de tous les territoires. Ok. Ainsi soit-il. Oh, c'est compliqué, hein, parce qu'on a Kosala au final qui est... On va peut-être filer à Kosala. Comme ça, ça réunit un petit peu ces territoires. On va essayer de les soutenir un minimum, quand même. Vous allez attaquer là, puis siéger, assiéger là-bas. Donc, l'armée ici termine. Le siège. On est bien. Tu la feras, l'armée de fin du monde? Ouais. Enfin, l'armée de fin du monde. Après, c'est difficile à... On l'a faite un peu, hein. On avait déjà tout envoyé lors de la grosse guerre précédente. Bah, pendant la croisade, non? Je sais plus. Oh, pardon, j'avais fini là. Ok. Mais ouais, je pense que je la ferai contre le roi catholique. D'ailleurs, ce que je pourrais faire éventuellement... Parce que lui, je vais pas pouvoir l'attaquer facilement. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est essayer de revendiquer des duchés. Essayer de revendiquer des duchés. Il est à 12, ils sont tellement dégueux quoi. Oh, pardon. On va essayer de voir ce que ça donne. Ok, ça c'est une guerre bien menée, bravo. Félicitations, efficacité déconcertante de l'armée, bien évidemment. Attaque là-bas. Puis après tu vas là-bas. Pas de repos. Pour les braves. Ici on est à 76. Une fois ce siège terminé, on sera bien. 4 mois, et c'est long. Hein. 4 mois, c'est long quand même. Ils sont en train de fuir. Je pense que là, je vais partir là-bas avec eux. Avec l'armée de l'empereur. Mathieu vous approuve. Ah bon? Il y a eu un changement de... Ah, 13. C'est un peu plus rapide, disons. On a tué tout le monde, très bien. On a perdu 500 hommes, quand même. On a perdu 500 hommes dans cette bataille. Mountain Bay, j'ai pas prévu d'y jouer, là. Même s'il a l'air ultra cool, mais j'avoue que... Trop de jeux, là, en ce moment. C'est bon, la bataille là-bas est gagnée. Les sièges sont en train de se faire. Les renforts sont en train d'arriver. On a tué la moitié de l'armée. Enfin, un peu moins de la moitié. Mais ça reste pas mal. On continue de pourchasser les hommes. Un siège là. Papa, papa. C'est du 100%. Appuyez les demandes. Merci, bonsoir. Et là, tu vas aller attaquer ici. Mais attends. Tu vas attaquer ici. Parfait. Du coup, je pense qu'on va filer à Kosala aussi. Ouais. Ce sera très bien comme ça. Votre vassal, le roi Richard, détient maintenant le comté de Bassarou. Bah oui, bah c'est moi qui viens de lui filer. Allez, on les attrape. Ferveur de la foi catholique qui descend. On est à moins 20% ici contre le Bengale. Faudra qu'on aille vite se tourner vers le Bengale. Qui a envoyé 30 000 hommes, hein, quand même. Hein. Faudra vite qu'on aille s'en occuper. Oula, mais il y a du monde ici, hein. Ah oui, d'accord. Mais vous vous rendez compte que c'est pas... Enfin, c'est juste... non, hein. Oh, peut-être. Alors, peut-être. Mais c'est incroyable. L'armée de l'Empire qui fait la diff. L'Empereur est en train d'arriver. Hein. Faut juste lui laisser le temps d'arriver, justement. Mais il est en train de faire... Il est en route. Hein. Il est en route. J'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Hein. Je vais faire ça au cas où. C'est gagné, ça, hein.
Oh, les renforts qui sont arrivés pile poil à temps, mais est-ce que ça suffira? J'ai l'impression que ça ne suffira pas. Cette armée d'élite qui fait toute la diff. Incroyable! L'Empire français qui domine! L'armée des éléphants! Il n'y en a pas. 9000 hommes ici encore. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau! Nature et culture. Ah bien, je suis très content d'apprendre que la jeune Kabad, dont j'assure la tutelle, se dit de culture française. Excellent. Incroyable cette armée. Hein. Cette bataille-là, bien joué mon grand. Je n'ai rien à dire par rapport à cette bataille. 23 000 hommes contre 5 000. T'en as tué 9 006, t'en as perdu 1000. Hein. Non, non, mais... Bravo. Bravo, bravo. Écoute, je vais quand même venir en soutien. Parce qu'on a 9 000 hommes qui sont à côté et qu'il faudrait pas abuser non plus. Ah. 380k hommes, c'est pas dégueu. C'est pas faux. Et encore, lui, il m'approuve, mais il doit pas m'envoyer tout. Hein. Ah si, si, il m'envoie tout. Il m'envoie tout. D'ailleurs, je suis en train de me dire, là, je vais influencer Pépère. N'en pars pas. Attrapez-le. Je vais aller au Bengale. Faut que j'aille m'occuper du Bengale. Faut que j'aille m'occuper du Bengale avec, avec une armée. Le roi Gig a blessé Madhuita. En vrai, ils s'entraident, quoi, c'est frustrant. Ah, attends. Mais, je vais cliquer sur l'armée, là. Toi, tu vas venir faire le siège ici, pendant que l'autre armée va aller chercher la capitale. Et je vais disperser les troupes. Et je vais l'élever. Bon, ils sont en train de perdre... Ils sont en train de perdre leur leur ration. Ils ont perdu 6000 hommes, on va dire. Juste avec les sièges. Donc on va juste lever une petite armée dans le coin. Et on va aller s'occuper d'eux. Et le Bengale qui fait bonne impression. Qui fait bonne impression, moi j'ai envie de dire bravo. Parce que pour le coup... Impasse stratégique. Je suis assis autour de la table des cartes avec le roi Philippe et le roi Arnaz à discuter de notre stratégie dans la guerre en cours. Philippe indique avec enthousiasme les cibles prioritaires que nous devrions piller, tandis que Arnaz explique à quel point nous devrions observer ce que font nos ennemis et réagir adéquatement. C'est à moi de décider de notre plan d'action. Je sais comment nous pouvons utiliser les deux stratégies. Vous obtenez pillage amélioré et manœuvre améliorée. Parce que mon aptitude martialité me le permet. Bon, pillage, ça me sert à rien, parce que, bon, je suis pas un pilleur. Mais le petit moins 25% de l'avantage ennemi, ça fait plaisir. Et vitesse de déplacement plus 10%, ça fait plaisir également. Bah écoute, go, hein. J'ai confiance en vous. Fais attention, t'es à moins 35. Ouais, ouais, mais c'est pour ça que je suis parti m'occuper du Bengale. J'ai pas recueilli les documents. Vas-y, c'est comme si c'était fait. Maintenant, tu vas me revendiquer. Ici, s'il te plaît. Alors, on est à combien là? 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas assez, quoi. Ah. Attendez. Ah non, je croyais que c'était bon. Moins 52. Ça me semble pas mal là. On doit avoir assez d'hommes. Au moins pour tenir. Et les repousser quoi.
On va attendre que eux avancent un peu. Enfin, mes 24 000 hommes. Parce que j'ai pas une armée, voilà, j'ai pas une grosse armée, quoi. C'est que d'élever, quoi. J'envoie les paysans avec leurs fourches. Ce n'est pas un secret que ma cousine Marie me porte un enfant issu d'une union illégitime. Fou Clément. Ah, très bien. Ok. On verra un petit peu ce que ça donne. Ici, le siège se fait. Là, on est en train de faire le siège également. Faudrait que j'aille voir où est-ce que c'est ici. Pour m'en occuper rapidement derrière. Oh, t'es sérieux? Ils ont réussi à faire le siège. Les chacals, et derrière, ils fuient. Et derrière, ils fuient. Qualité supérieure, mais le propriétaire est légèrement endetté. Et les défend dans les montagnes. Comme c'est mon territoire, c'est moi qui défends. Ok. C'est bon, là? Oh, c'est toujours pas à 100%. Quelle galère. Ah, mais attends, mais c'est personne ici, en fait. J'ai oublié de l'attaquer, lui. Je suis en train d'assiéger dans le vent. J'attaque pour eux, en fait. Bon, bah, c'est grave. Ici, c'est le plus important. Gagner une grosse bataille qui descendra le score du Bengale. 100%, parfait. On prit la fille en otage. Alors, ça s'est fait. Ah bah non, mais en fait, c'est le duc qui était venu l'aider. D'accord, ok. C'est le duc qui était venu l'aider. On a pu les demander, ils avaient plus que 8 soldats. Hein. Et là, on a le duc Anupunla, là, qui devient un roi de Orissa, quoi. Ça, ça fait légèrement plaisir. Par contre, ça, pourquoi? Pourquoi t'es... T'es encore en guerre, toi? Bon, je sais pas qui tu es. On va attaquer Chou. Faut que je lève des hommes. Ouais, on va peut-être perdre quelques guerres. On a attaqué comme si on était dans une région du monde peu développée, alors qu'au final, c'est quand même bien développé. Au final, c'est quand même bien développé. Du coup, on va peut-être perdre quelques guerres dans l'histoire. Surtout que c'est assez écarté, globalement. Donc, là, les renforts feront la diff. On l'espère. Ouais, c'est bon. J'ai pas d'hommes d'armes, mais j'ai plus de soldats. Parfait. Enfin, j'ai une armée plus nombreuse. Ici, le siège, on va le terminer, mais c'est pas important, en vrai. Hein. Je devrais pas faire ça, mais... Ok, ils ont fait demi-tour. On va débloquer un atout de vie en martialité. Alors, fais voir un petit peu. Écran d'infanterie plus 5, efficacité des armes de siège, vitesse navale, résistance à... On va éviter, enfin, efficacité des armes de siège, assiéger plus vite. Ce sera pas mal pour la suite. Pas besoin de plus d'hommes. Pour soutenir l'armée du roi. Déjà, si on attaque lui... Ah, c'est moins 24, c'est pas les bons gars, ouais. Ils sont où, eux? Ah, c'est bon. Alors, attends. C'est qui, eux, là? Ah, c'est Cole, ici. Ah, enfin, c'est le petit territoire qui est en train de me mettre au front, quoi. Ah, je l'avais oublié, ce territoire. Bon, on a gagné la bataille ici, qui nous a clairement permis de restabiliser un petit peu le score. Donc là, on n'est pas mécontent. Ce qu'il faudrait faire, à la limite, c'est aller s'occuper de l'armée de ici, là. On est loin. On est un peu loin. On verra bien. On verra bien. Le siège, il faut qu'il se termine vite, là. Ça me sert à rien de faire le siège ici. Y a pas... C'est pas un ennemi, là. C'est pas un ennemi ici, ça me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Combien de temps le siège? Bon, il est fini. Ok. Disperse-moi les troupes. On va lever une armée à Cole. On va lever une armée à Cole pour aller s'en occuper. On va prendre la
capitale et tu as levé le reste des hommes ici. Ok. J'ai remarqué dans l'un de tes épisodes, si tu zoomes sur Paris, tu vois la cathédrale Notre-Dame. Ah ouais? Attends, tiens, ça m'intrigue. Ah ouais, ouais, effectivement. Effectivement, effectivement. Excellent. Bien vu, bien vu. L'Andalousie existe, enfin oui et non, quoi. Parce que c'est devenu le royaume de Taïr. Le mec qui a récupéré le royaume, il a décidé que ce serait son titre principal, quoi. Donc, bon. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Pas moi qui vais les juger, hein. Pourtant, c'est qui m'amène la victoire. On va assiéger la capitale là-bas. Et ici, on a les hommes que je suis en train d'amener là-bas au bout. Mais est-ce que ça va être nécessaire? Je ne sais pas. Capitale. À faire tomber. On a un siège qui est passé là. Non, c'est pas celui-là. J'ai deux sièges en cours, ils sont ici. On est bien. On est bien. Influence, conviction, religieuse. Ah, c'est pour devenir un peu plus ami avec lui. Qu'est-ce que... Comment? Ouah, tous les traits qu'il a, lui. C'est incroyable. Champion célèbre, sang consacré, jumeau, maladie de Cupidon, intelligent, herculéen, physique avenant. Guerrier saint, défenseur inflexible, brillant stratège. Mais t'es forte aussi, hein. Incroyable. Merci beaucoup. Proton, bienvenue. Une idée pour aligner les intérêts du roi sur les miens. Avec les bons arguments, je pourrais peut-être le convaincre que j'agis non seulement dans mon intérêt, mon propre intérêt, mais aussi dans l'intérêt du seigneur. Un argument très convaincant, 57%. 57% de chance que ça passe. J'ai obtenu 50 millions d'euros. Ah, bien joué! On a réussi. On a réussi, on a réussi. Bon, là, c'est bon, il n'y a plus de danger en termes de... Il n'y a plus de danger en termes de siège. Appuyez les demandes. Merci beaucoup. Et vous, ça va vous permettre... Non, pas du tout. Vous, ça va vous permettre... d'aller assiéger là-bas. On commence par ici, pendant que les 43 000 hommes font la route aussi. Pour venir là, très bien. Et on a le siège ici qui se fait. L'armée de l'empereur. L'armée de l'empereur, dis donc. 37, je suis plus à 41. Pourquoi ça change? Ça évolue tellement. L'armée de l'empereur qui assiège ici. Quelqu'un contre qui on est en moins 30. Il y a le Bengale à gérer aussi. Hein, mais bon, on a gagné une grosse bataille. Ok, ça nous fait un moins 10%. Ce qui serait pas mal, c'est d'aller attaquer au final. Là, le siège est fait, c'est parfait. On a les 43 000 hommes qui sont là. Là, on prend ce siège-là. Je pense que ce sera pas mal en termes de score de guerre. Oh non! Pas tout compris, mais il a perdu les comtés. Me faire confiance. Je ne vous duperai pas. Confiant. Plus d'en diplomatie. Ouais, ouais, bah reste comme ça, c'est bien. Hein. Un truc, t'es à 14 déjà, donc garde ta diplomatie. Malgré moins de... Oh bah non, il se barre. Bon, les gars. Bon, bref. Guerre s'achève de manière indécise. Qui c'est qui a récupéré ton titre? Je sais pas trop. Hein. Au final. Je sais pas dans quelle guerre ça vient de s'annuler. Ok. Là, les armées se sont réunies et on a 50 000 hommes, enfin 60 000 hommes. Boum! Parfait le 100%. Ce qui va nous permettre de nous tourner vers le Bengale avec ses 60 000 hommes. Devient le vassal du roi. Excellent. Et toi, tu vas te tourner vers le Bengale. En commençant par attaquer l'armée, puis après assiéger la capitale. Pas mal, pas mal. Le comté, si tu veux. Moi, j'aimerais que tu me fasses un petit duché, mais bon, écoute, si t'as pas envie de me faire de duché. Pardon, je me suis planté.
t'as pas envie de me prendre un duché, tant pis, hein. C'est combien la ferveur catholique? Je sais pas, je sais même pas où on voit ça. 37%. 37% la ferveur. Je sais pas comment on l'augmente. La ferveur change naturellement avec le temps. Les fois plus petites et ont tendance à avoir une ferveur plus élevée. Les grandes fois ont tendance à avoir une ferveur basse. Participer à des guerres, grandes guerres saintes et mener à bien les guerres saintes diminue la ferveur. Tandis qu'en être la cible l'augmente. Le déclenchement d'hérésie l'augmente significativement. Le déclenchement d'hérésie? Lorsque la ferveur d'une foi est basse, une vague d'hérésie peut se produire et un dirigeant se convertit et devenir un hérésiarque. Il répandra alors sa nouvelle foi et ses comtés et ses vassaux. À ses comtés et ses vassaux. Si la vague d'hérésie est mineure, elle s'arrêtera là. Si elle est majeure, d'autres dirigeants de la même région se convertiront. Si vous vous trouvez dans cette zone, vous aurez également la possibilité de vous convertir. Ok. De toute façon, la foi, moi, on va la changer, la foi, mais une fois qu'on aura terminé de conquérir le monde. On va être espion, ok. Du coup, t'as encore des croisades vu que tout est catholique. Non, tout n'est pas catholique. Hein. Tout n'est pas catholique. Là, il n'y a que ça qui l'est. Ici, ça ne l'est pas, et ça, ça ne l'est pas. Donc, on avait eu une croisade pour ça, justement. Il n'y a pas si longtemps. Voilà, la vidéo précédente, au final. Bah, alors. Je suis connu comme un homme profondément pieux. Ma dévotion à Dieu ne devrait-elle pas aussi servir à quelque chose dans cette vie et non uniquement dans la suivante? Il y a un certain nombre de personnes à qui il serait bon de rappeler que je suis dans les bonnes grâces du Seigneur. Notamment au pape 64. Oh, il m'aime. Il m'aime, le pape. Incroyable. Le roi évêque apprécie sûrement un pieux seigneur. J'ai été trop indulgent avec l'église cette année. Ouais, dans l'absolu. Plus 30 pour le pape. Hein. Hop, le pape qui m'adore. Hein. Ça fait toujours plaisir. Hein. Le bien fondé de ma requête. Aucun effet immédiat. Bon. Il n'y avait pas de... Tu l'attrapes là. Hein. J'ai un vassal en trop, on pourra s'en occuper après. C'est pas gênant si c'est un seul. Là, l'armée du Bengale qui fuit. Qui fuit. Ok, parfait. Ici, on a tué les 9000 hommes. Hein. On a perdu 658. Hein. Ah, quand l'empereur domine, enfin, gère les guerres, ça se ressent. Hein. Ils ont tellement fui vite, c'est incroyable, en vrai. Quoi. Je sais pas pourquoi je les vois plus là, mais... Bon, je vais prendre la capitale, ce sera réglé pour le Bengale. Tu t'es déjà fait emprisonner à cause d'une bataille... Ouais. Enfin, moi je sais pas, parce que je suis rarement au commandement, mais j'ai déjà eu... Ah si si, ça m'est arrivé une fois, je crois, contre l'Aquitaine ou un truc dans le genre. Devenir plus personnel. Dans notre dernière correspondance, ma vassale, la reine Béatrice, reine de Djarlong, hein, a mentionné les subtilités de l'intrigue à la cour, comme si le sujet m'intéressait. Ces lettres sont censées être strictement diplomatiques, par nature, mais bien sûr, elles abordent parfois des sujets plus personnels. 21. Je vous en prie, dites-moi plus. Ah, bien sûr. Si on peut devenir amis, t'es à 21 en intrigue, c'est bien, hein. Bon, ce siège se fait. En 100%, parfait. Nice. Elle a duré 3 ans, hein. L'air de rien. C'est long, hein. Les guerres sont longues, hein. 80 gloires, Derrière, tu vas descendre ici. Ah, c'était pas pour lui. Ah ouais, c'était pour lui. Qu'on l'a eu dans l'os. N'a pas eu le temps. Bon, le Bengale, une fois le Bengale pris, on aura Billard, je crois, qui va être seul. Ah bah non, Billard, c'est eux. On aura encore quelques territoires, quoi. On aura encore quelques territoires. Ah, la capitale est prise? Ah bah non. Ah,
Alors attends. On est à 71, c'est pas mal. Monsieur, j'ai été réussi. Un complot a été découvert. Ouais, bah écoutez. J'ai commencé avec Boulogne. Le comté de Boulogne, ici. Je montre. J'ai commencé avec le comté de Boulogne qui est ici. J'étais comte de Boulogne, je suis devenu duc de Flandre, roi de Jérusalem, roi de France, empereur de France et empereur du monde, tout simplement. Ok, le siège sera un peu plus long là. Pas vraiment en fait. Hein. Pas vraiment, pas vraiment. Lui est en train de récupérer ses territoires. Hein. Je prends ta capitale à côté, hein. Ce serait bien que tu viennes m'attaquer, 2300 hommes, ça peut passer. Hein. Comte Hervé de Boulogne, je me souviens même pas du nom. Hein. Merci à vous. Bon, pour l'instant les sièges se font. On est pas mal. Il restera gravé dans mes mains. Le siège de Calamari. On prend pas grand chose, mais parce qu'il y a beaucoup de. Faudrait que j'aille les attaquer un coup là. On prend pas grand chose, mais parce qu'ils ont beaucoup assiégé en, donc en points, il faudrait que je retire les sièges. Belle ascension quand même, ouais. Ouais, je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent. Parfait, ça c'est pris. Sachant qu'on a été lent en vrai. Hein. Quand tu penses, c'est ce que j'ai raté quoi. J'aurais tellement pu aller plus vite. Oh bah c'est bien, tenez-les les gars. Laissez-moi arriver. Alors, ici, j'ai récupéré ça. Alors, attendez, est-ce que j'ai récupéré quoi? J'ai récupéré Kanda. Ouais, prends ça. Oh oui, il y a les 2000 hommes qui se disent on va venir soutenir. Ah bah non, ils ont fui. J'ai cru qu'il resterait face à l'armée de l'empereur, mais... C'est vrai que je pourrais perdre en vrai la bataille. Hein. En tant que commandant, il suffirait qu'il gagne la bataille et c'est terminé. Il me capture, on va être plus tôt, et c'est fini. Boum, comme là par exemple, on a capturé la reine Pucci, qui était aux commandes de cette armée du Bengale. Malheureusement pour elle, c'est terminé. Et le comte Ardeshir devient donc roi du Bengale. Ça me fait un vassal de plus en Inde. Mais est-ce vraiment grave? Non. Oh non, il y avait Goda aussi. Ah voilà, c'est les territoires cubérés, certainement. Et puis, on en a fini avec ces guerres. Hein. On a fini avec ces guerres, on fait le siège ici et ce sera bon, je pense. Perfecto, perfecto. Boum! Excellent. Pause. Appuyez. Victoire. Merci. Fini les ludistes dans la région. Accordé. J'accorde ceci. Est-ce que je peux créer le duché ou... Non. Parfait. Eh bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Au niveau des traités de paix, on en est où? Ujbik. Ok. Ouais, on y est encore. Pendant 15 mois. Bah écoutez, on va faire une petite... on va faire un petit tri, on va dire, dans les vassaux. Parce que là, on en a deux de trop. Et puis on retourne en guerre hein, contre lui pour récupérer ça. Puis après on rattaquera eux une fois, puis c'est terminé. Une ascension grâce au mariage, finalement ça a commencé avec Jérusalem, puis le mariage de l'enfant avec l'Empire de France. Et tac, les enfants étaient de Boulogne, mais installés sur le trône. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais en vrai on n'a pas trop mal géré les mariages. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais on en a fait pas mal. Notamment en Angleterre. On s'est battu hein, pour l'Angleterre. Hein. Vache, il y en a qui sont morts hein, pour l'Angleterre. Hein. Les assassinats de gens, on en a fait. Hein. On en a fait. Pour monter sur le trône d'Angleterre. Hein. Mais c'est un succès. C'est un succès. Puis en Inde, on n'en parlera même pas. Asie, en tout cas. Bon, bref. YouTube, on s'arrête là. Twitch, ne bougez pas, on va continuer. YouTube, on va s'arrêter là. Alors, je sais pas si encore une vidéo suffira pour finir de conquérir le monde. Ça va dépendre de la longueur des traités de paix. Parce que si je brise la trêve... Ah pardon, attends. Si je brise la trêve... Puis en plus, il y a billard, on peut pas l'attaquer comme ça. Si je brise la trêve, ça fait quoi? Vous perdez 1 en niveau de gloire.
Et opinion générale, moins 50, quoi. Pendant 3 ans, après, c'est pas non plus la folie, quoi. Mais bon, si j'en brise 3, ça me fait moins 150, quoi. Donc bon, on verra. On verra bien. Dans tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. C'est Roll Viking sur Crusader Kings 3. La France domine. Et bientôt terminé. Je rappelle qu'on va en faire encore deux choses après. Hein, une fois qu'on a conquis le monde, on va essayer de réformer notre foi pour voir le gameplay. Parce que j'avais décidé de pas le faire. On va voir le gameplay de réforme de la foi. Et puis, on va créer tous les empires. Créer l'Empire romain. Et avoir de jure la planète. Au final, le monde connu, en tout cas. Le monde connu appartiendra de jure à la France en créant l'Empire romain. Donc ça va être intéressant. On testera ça dans la prochaine vidéo. Twitch, on enchaîne, ne bougez pas. Bisous à tous, bonne journée. Salut YouTube. Et à la prochaine pour la suite de ce Crusader Kings. Tout simplement. Allez, ciao.